les sommets vertigineux des montagnes rocheuses. Un petit animal se cache par ici. Un pika, un lointain cousin du lapin. C'est le mois d'août et l'été bat son plein. Mais la saison d'abondance est éphémère dans la région. La neige couvre ses pentes 10 mois de l'année. Quand viendra l'hiver, ce pika se retrouvera prisonnier de son terrier. Alors, pour subsister, il doit faire des réserves. Manque de chance, son terrier se trouve dans les hauteurs. Et la nourriture, tout en bas, dans la vallée. Le pika consacre les 2 mois d'été à amasser des plantes pour garnir son garde-manger. Il les sélectionne avec précaution. Et il a raison de faire le difficile. Il choisit les fleurs les plus fraîches, les pousses d'herbe les plus jeunes, et quelques plantes vénéneuses en guise de conservateur. Faire de nombreux allers-retours est inévitable. Et s'il habite au dernier étage, comme cette femelle, il n'est pas au bout de ses peines. Elle va faire plus de 10 000 voyages au cours de la saison. Toute cette activité frénétique, pour ça, un résultat très désordonné. Ses réserves végétales pèsent jusqu'à 28 kilos. C'est un travail épuisant. Il doit bien y avoir un autre moyen d'emmagasiner sans se fatiguer. Un peu plus bas, un voisin commence tout juste son garde-manger. Et il est observé. C'est du vol. Mais ce n'est pas un acte gratuit. En s'appropriant la nourriture plus proche de son terrier, la femelle gagne un temps précieux et économise son énergie. La tentation est si belle qu'elle pourrait même récidiver. C'est une entreprise à haut risque. Elle est prise la main dans le sac. Un cambrioleur doit toujours avoir une porte de sortie. Elle l'a échappé belle. Mais une mauvaise surprise l'attend. Elle n'est pas la seule voleuse de la montagne. Elle n'a plus qu'à tout recommencer.